Putain, mais il est bourré ou quoi? Bonsoir, et bonsoir, ouais, je savais pas quoi dire, bonjour ou bonsoir, bah allez, bonsoir, il est déjà 20h quand même. Bon, alors bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game Old School avec Pokémon Snap aujourd'hui, donc un Pokémon différent de ce que le titre nous a habitué, car là, il faudra pas capturer ni affaiblir des Pokémon, mais bien les prendre en photo avec Pokémon Snap sur Nintendo 64. Donc on retrouve le professeur Shen. C'est le professeur de Pokémon. Et ensuite, il me semble... Bah, je t'attendais... Ok, bon, on va faire les parcours. Donc voilà, donc Pokémon Snap, c'est un jeu vidéo de la série Pokémon et de Nintendo, sorti en 2000 sur Nintendo 64. Il propose de contrôler Tom Snap. Hein. Apparemment, Tom Snap, c'est le mec que vous avez vu dans l'intro, là, qui est un peu bourré. On va contrôler ce personnage pour prendre en photo des Pokémon au cours d'un safari installé dans un véhicule qu'on appellera le Zero One au parcours indéfini. Il faut réussir à photographier les Pokémon le mieux possible, ni trop près ni trop loin, au centre de la photographie, accompagné d'autres Pokémon du même type dans une pose spéciale. Donc voilà, 63 Pokémon à photographier dans ces différents modes. Donc voilà, on va tout de suite le faire avec des Pokémon cachés aussi, vous verrez. Donc voilà, je sais pas où on peut commencer. On va commencer avec plage. Allez. Ok. Donc vous allez voir, c'est un petit jeu détente. Hein. Ça c'est vraiment fait pour se détendre tranquillement. Pas de stress, pas de nervosité. Alors comment on fait déjà? Merde. Eh ben ici. Eh ben dis donc. C'est quoi ce bordel là? Alors voilà, on pouvait jeter des pommes. Comme là, ce Pikachu. Hey, Pika là. Super, j'ai réussi à prendre Pikachu en photo. C'est déjà une première. Alors, je sais plus ce qu'il y avait. Ah. Bonjour. Papillusion. Hop, putain, il est. Hey. En fait, c'est peut-être pas qu'il était bourré tout à l'heure. C'est vraiment que c'est. Bon, super, hop. Ah, il me semble qu'il y avait quelque chose là. Il sortait si on jetait. Parce qu'en fait, dans certains trucs, quand on jetait dans un décor, il y avait un Pokémon qui sortait. Je me rappelle dans un passage, il y a un Léviator qui sort avec. Voilà, Pokéflute pour réveiller l'Onflex. Tout comme dans le jeu sur Game Boy. Donc voilà, c'est un petit jeu détente. Vous pouvez choisir d'aller lentement comme ça, ou soit d'aller assez vite comme ça. Là. Mais bon, ça sert à rien, vous voyez vraiment rien du niveau. Là, il me semble que si on jette des trucs, on avait des choses qui sortaient là. Non? Ah si, là-dedans, là, c'est cramé, il y a quelque chose qui bouge. Voilà, un sécateur. Qu'il est beau! Des Pikachu. Tape la pause, mec. Le salto, refais-le. Super. Voilà. Ah, il y avait quelque chose là-dedans, c'est obligé. Non. C'est le mec qui vote. Ah, si, bah ouais, j'avais raison, un Magikarp. Bon, bah j'ai pas réussi à le prendre en photo. Il y avait quelque chose. Encore un Magikarp. Bon, ça c'est le tout premier niveau, hein, donc désolé, Evoli. Une petite pomme, tiens, prends la pomme toi. Eh, c'est quoi ça? C'est un Levenard, je crois. Hein. Eh merde. Bon, bah après je vais accélérer parce que si je pense qu'il y a personne. Merde, si apparemment il y avait quelque chose. Ah.
Héros cool que j'ai pas réussi à prendre en début de niveau. Magikarp. Putain, il est dur à prendre. Hein. Voilà, le niveau est fini. Bon, on va s'en lancer un autre. Alors, il y avait le tout dernier niveau du jeu. Il y avait que Mew. Je me rappelle, Mew, c'était le seul Pokémon dans le niveau. Mais je me rappelle plus comment on pouvait le prendre en photo. Parce que quand on mettait l'objectif sur lui, il avait une boule qui nous aveuglait. On pouvait rien voir. Non, c'est bon, vas-y. Oui, c'est bon, on s'en fout du professeur Shen. Te revoilà. Ben oui, quand même. Alors, tunnel. Putain, il avait le feu. Celui-là était bien relou. Ah, je vais vous faire le volcan. Ok. Je vais appeler mon... parce que je vais vous faire aussi le dernier niveau. Et je sais que... Oh, galopa. Bon, je l'ai pris un peu en rapide par contre. Ok, il était censé avoir quelque chose là-dedans. Un Goopix. Donc oui, donc vous l'avez bien compris, hein, ce niveau. On verra essentiellement des Pokémon de type feu. Y compris un Pokémon légendaire et un grand Pokémon célèbre qu'on connaît tous. On va avancer un peu plus vite parce qu'il n'y a rien ici. Des magmas. Un Salamèche. Je pense qu'après il y a plein de surprises que je connais pas, des Pokémon cachés. Donc voilà, là, dans cet œuf. Voilà, regardez ce qui va sortir. Un joli Sulfurant. Tape la pause, man. Que tu es beau. Qu'est-ce qu'ils font là? Un combat de magma. Ça y est, vous que je les prenne, genre ils arrêtent de se battre. Viens là, toi. Alors après, on avait Articodin et Elector. Et Mew, mais j'ai jamais vu le Mewtwo dans ce jeu-là. Je me rappelle que le Mewtwo... Alors lui, ouais. Alors vous voyez le Reptincelle, là. Le Reptincelle qui est là, faut que je le fasse tomber dans le trou pour qu'il se transforme en Dracaufeu. Et cet enfoiré, il est malin parce qu'il court. Super. Regardez. Et ben voilà. Crache du feu, va. Il veut pas cracher du feu, ce salaud. Bon. Voilà, bon bas niveau. Fini. Alors, je vais appeler mon frérot en direct, là, pour savoir comment j'ai le Mew à la fin. Bon, ça sert à rien, je l'appelle, en fait. Je vous ferai voir, et puis voilà. Hop là, non, merci. C'est sympa des fois un petit test comme ça tranquillement, pas d'ennemis à buter ou des trucs comme ça. Hop. Je vais faire la vallée, l'avant-dernier niveau. Un niveau que j'aimais particulièrement, qui était assez sympa. Ah, il y a des carapuces là. Bonjour mon grand. Carapuce. Voilà. Allez, ouais, les gros gravalanches là-bas, là, suspendus sur les rochers. Ah, c'est un racaillou. Bon. Genre le ferro-singe là où il se vénère. Ferro-singe. Ah merde.
Vous voyez, alors voilà, c'est ça que je vous parlais. Regardez les cryopiqueurs là. Voilà, il y a des paysages comme ça. Et Mewtwo, c'était exactement le même délire pour l'avoir. C'était une espèce de ombre, une espèce d'ombre dans le ciel. Et il fallait le prendre en photo, je m'en rappelle. Un caillou. Oh, un caillou, et il me fait sortir un sablette en plus. Et bon, voilà, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous faire voir tous les niveaux. Il y en a beaucoup qui étaient intéressants. Y compris le tunnel et... Putain, si je peux faire tomber le golem là, de là-haut, ça va être très dur. Hein. Ouais, bon, laissons tomber. Et donc, ouais, voilà... Oh là, ça descend vite, là, la vache. Là, normalement, il y avait un Léviator qui sortait. Si j'arrive à le faire sortir, je suis foiré. Putain! Il est pas sorti. Putain, je suis dégoûté, j'aurais aimé vous le faire voir. Normalement, il y a un gros Léviator qui sort de la truc. Là, je suis désolé, j'ai un peu oublié le jeu aussi. Donc, avant, j'arrivais à le faire sortir, mais alors là, pas du tout réussi. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs, j'aurais bien aimé. Tant pis, je vais au moins essayer de vous faire sortir le Dracolos qui se trouve là-dedans. Alors, si j'y arrive pas, par contre, là, c'est vraiment la tombe. Quand même. Bon voilà, je vous ai offert un Dracolos pour m'attraper de ma connerie du Léviator. Putain, je l'ai fait dégager. Hop là, bon après je pense qu'il n'y a plus rien à voir. Ah si, apparemment. Ah oui, il y avait un délire là. Ah ouais, c'était au Carapuce de se mettre ici. Oh, il y avait un délire pareil. Et après là-bas, on pouvait passer, il y avait un autre passage. Putain, comme quoi, j'ai vraiment tout oublié du jeu, mais vous voyez qu'il y a plusieurs petits passages assez sympas dans chaque niveau et c'est assez marrant. Voilà, moi j'ai un peu tout oublié, hein. En même temps ça fait au moins 5-10 ans que j'ai pas touché à ce jeu là sans vous mentir. Donc voilà. Une photo? Ah ouais, non, j'ai eu peur là. Putain, j'ai loupé le Léviator. Ouais, donc voilà, quand vous avez fini le niveau, parce que vous savez que je vous en parle pas, bah voilà, on vous fait voir vos photos que vous avez prises. Voilà. Après, tout se trouvait dans l'album. C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous le dire, hein, c'est super important. Bon, oui. Bon, allez, on se quitte. Moi, je vais vous dire au revoir et on va se quitter sur le dernier niveau et sur le fameux Pokémon légendaire, voilà. Le dernier niveau avec tous les ombres de Pokémon en haut. Voilà. Y compris, il y a un Mewtwo en haut, là, vous pouvez le voir. Et voilà. Et là, il y a Mew. C'est voilà. Et voilà, quand vous voulez le prendre en photo, et bah, y a cette lumière qui s'affiche. Et on peut rien faire. Putain, il est... Vous voyez ? Mieux. Allez, je vous dis à bientôt mes amis, et à la prochaine. Ciao. Moi je vais essayer de choper le...